c'est Arthur Bourbon. Et moi, c'est Damien Castera. On vient tous les deux du Pays Basque et on présente un film qui s'appelle Watergate No Enemy. On est parti à la rencontre de la première génération de surfeurs du Liberia. C'est une génération qui sort de 15 années de guerre civile. Et donc on est allé voir un peu ce que le travail de la résilience par le surf, par le sport et par la nature pouvait avoir comme impact sur cette société et surtout sur la petite communauté qu'on est allé voir. Damien m'a envoyé la photo de super belles vagues de Robert Sport, le village dans lequel on était au Liberia. Et il m'a parlé de l'histoire du pays que je connaissais pas bien à l'époque. Et on a découvert du coup qu'il y avait cette première communauté de surfeurs là-bas. Et du coup, on a eu envie d'aller les rencontrer et qu'ils puissent leur témoigner un peu de leur vie, de leur histoire et de raconter un peu l'histoire du pays et un peu illustrer le renouveau du Liberia qui est un pays qui renaît de ses cendres, comme disait Damien, après toutes les guerres et les atrocités qu'il a connues. Moi, ça fait quelques années que je participe à pas mal de festivals de films d'aventure. What a Trip, c'est vraiment un festival que j'avais à cœur de faire parce que je suis très copain avec l'équipe de Solid Dream qui sont les locales de l'étape. On m'avait beaucoup vanté le village, l'ambiance, la qualité des films et puis surtout la qualité des soirées qu'il y avait derrière. Donc cette année, les soirées sont annulées. Mais du coup, on va en profiter pour voir des jolis films et essayer de faire des belles rencontres.